Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. Quand vient de la parole de Dieu, dit, tout passera, mais ta parole ne passera point. Au nom de Jésus-Christ, je vais s'y prier. Amen. Amen. Nous acclamons pour les Seigneurs. Rapidement, nous entrons maintenant dans la parole de Dieu. Quickly, we're going to enter in the word of God. Nous allons lire dans les livres de Romains. We're going to read in the book of Romans. I need everybody to have your Bible. I need to see your Bible, please. Romans 4, please. Romans 4. I need everybody bring your Bible. Je veux voir tout le monde avec leur Bible. If I saw you miss your Bible and leave me every Friday, I can say it, you know, every Sunday I can continue to saying that because I need you to have yourself Bible. Romans, book of Romans 4. Nous allons lire dans les livres de Romains chapitre 4. In the book of Romans 4. Nous allons lire le verset 12. We're going to read the verse 12. I can say to everybody to stand up, please. Can everyone stand up to honor the word of God? Romains chapitre 4 verset 12. Romans 4 chapter 12. Okay, you can take a seat. J'ai aimé là où la Bible nous dit le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. J'ai aimé là où la Bible nous dit mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Abraham is our father, the faith father. Say Abraham is the faith father. Carry on. Abraham is the father. Abraham is the father of faith. Our father of faith. My faith. Abraham, il est notre père de la foi. Our Abraham is. Et la Bible nous parle maintenant quand on parle des circoncis. C'est-à-dire les gens quand la Bible parle des circoncis. Physiquement, c'était des enfants d'Abraham. Biologiquement, c'était des Juifs. Et nous sommes des païens, quelque part nous sommes des circoncis. Mais la personne qui reçoit Christ dans sa vie, automatiquement nous sommes entrés dans, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Parce que dans la Bible, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Because in the Bible, God made a covenant with Abraham. Dieu avait appelé Abraham. God called Abraham. Et Dieu avait donné des promesses à Abraham et à ses enfants. To Abraham and his children. Et Dieu lui avait dit, je te ferai le père d'une multitude de nations. I will make you the father of multinations. C'est-à-dire Abraham physiquement, il était le père de Dieu. It means Abraham physically was the father of Jews. Mais nous croyons à Christ. That we believe in Christ. Spirituellement, nous sommes entrés dans l'alliance avec Abraham. Spiritually, we are in covenant with Abraham. Et quelque part, nous étions des circoncis. And so when we were uncircumcised. Au moment où tu as reçu Christ dans ta vie, automatiquement, tu entres dans l'alliance. Circoncis. You become circumcised. Tu deviens circoncis. You become circumcised. Avant nous étions des circoncis. But we were uncircumcised. Mais au moment où tu reçois Christ dans ta vie, remember when you see Christ in automatiquement life, tu deviens circoncis. Automatically you become tu es circumcised. Maintenant entré Abraham. Now in a covenant with Abraham. Tu es maintenant entré dans l'alliance d'Abraham. Now in a covenant with Abraham. Avec Dieu. God. Tu es maintenant devenir le fils d'Abraham par la foi. You have now become the son of Abraham by et la Bible faith. Maintenant nous parle ici de marcher selon les traces de notre père Abraham. Aujourd'hui le Seigneur m'a mis au cœur ou bien le Seigneur veut nous parler ici la foi d'Abraham. The Lord put my heart to talk about the faith of Abraham. Et notre thème d'aujourd'hui c'est la foi d'Abraham. And our topic today is the faith of Abraham. Parce que le Seigneur veut
Abraham. You are the sons of Abraham. Parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. You have received Jesus. Tu crois à Jésus Christ dans ta vie. Jesus Christ. Automatiquement, automatically, tu deviens le fils d'Abraham. Tu deviens la fille d'Abraham. Dieu t'appelle, Dieu t'oblige de marcher selon les traces de la foi d'Abraham. According to the step of Abraham. Ça va, vous comprenez dans le bien. Mais on peut continuer dans le verset 16. We can continue verse 16. Le verset 16, on nous dit quoi? Romains 12, 16. 4, 16, pardon. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant, celui auquel il a cru Dieu, qui donne à la vie aux morts et qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant comme toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera la postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il y avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir une débilité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Thank you. On peut lire encore dans le verset 24, s'il vous plaît. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Thank you. La Bible nous parle ici. The Bible states here. Toujours d'Abraham. Of Abraham. Abraham était avancé en âge. Abraham was old. Mais Dieu lui avait parlé. And God spoke to Dieu lui avait donné des promesses. And gave him promises. Et Abraham avait marché selon la promesse and de Abraham Dieu. Walked according to the promise. Et la Bible nous appelle aussi, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Et la Bible nous demande aussi de marcher selon les traces de notre père Abraham. And the Bible is ordering us to walk according et c'est pour cela aujourd'hui. Dieu veut nous enseigner sur la foi d'Abraham. That's why God today wants to teach us about the faith of Abraham. Il est notre père de la foi. Because Abraham is our father of faith. Et Dieu a fait alliance avec lui. And God made a covenant with him. C'est lui qui reçoit Christ dans sa vie. Those who receive Christ in the Il est maintenant entré dans l'alliance avec. They have entered in a covenant. Dieu, mais à travers Abraham. With God through Abraham. Parce que Dieu a fait l'alliance à Abraham. God made a covenant with et Abraham. Nous continuons, je vais expliquer après. Galates chapitre. Non, dans le livre de Romains chapitre. Nous, Romains chapitre 1, verset 17. In the books of Romans, et après nous allons lire Galates. And then 17, and then we will... Romains chapitre 1, verset 17. Romans 1, 17. Parce qu'en lui, il est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, la juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi. The righteousness will live. Le juste vivra par la foi. Le juste live by faith. Je veux que tu soulignes. Les justes vivent par la foi. Soulignez là où la Bible nous dit, les justes vivent par la foi. Et on peut lire encore dans le livre de Galates. Galates. Nous sommes Abraham. We are the children of Abraham. Nous, Galates chapitre 3, verset 6. Galatians 3, verse 6. Reconnaissez donc
understand. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils les gens qui ont la foi, ce sont eux qui sont les fils d'Abraham. Les gens qui ont la foi, c'est eux qui sont les fils d'Abraham. Nous continuons. Ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, quand on parle des nations, le monde, et nous-mêmes, nous sommes des païens. Physiquement, nous sommes des païens. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et les descendants d'Abraham, ce sont des juifs. Mais nous héritons, nous entrons à cette alliance. Nous qui sommes des païens, d'autres nations, nous sommes des Africains, nous entrons dans l'alliance d'Abraham à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus aussi est le descendant d'Abraham. Tokitana, s'il vous plaît, tu peux lire le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, lui pour le païen, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi d'esprit qui avait été promis. Thank you, afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les païens, son accomplissement en qui? En Jésus-Christ, c'est-à-dire nous entrons dans la promesse d'Abraham, plutôt dans l'alliance d'Abraham, dans la bénédiction d'Abraham, à travers Jésus. Et nous continuons dans le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à la postérité. Il les postère de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Voici ce que j'entends. Une disposition de Dieu. Tu lis les versets 18, s'il vous plaît. Les 18. Car l'héritage venait de la loi. Il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham cet homme de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce qu'il vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Tu peux lire le verset 29, ce qui est très important, le verset 29. C'est très important. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Thank you. Si vous êtes en Christ, if you belong to vous Christ, êtes you la postérité d'Abraham. Et l'héritier selon la promesse. C'est-à-dire nous sommes les enfants d'Abraham. Ma sœur, tu es l'enfant d'Abraham. Mon frère, tu es le fils d'Abraham. Et la Bible nous dit de marcher selon les traces de notre père Abraham. Et Abraham dans la Bible, c'est notre père de la foi. Et c'est pour cela aujourd'hui Dieu veut nous enseigner sur la foi d'Abraham. Un héros dans la Bible. Un héros dans la Bible. Parce qu'il est le père de la foi. Abraham avait la foi. Parce que Dieu lui avait appelé. Dieu lui avait appelé et Dieu lui avait donné les promesses. Et Dieu lui avait dit de quitter sa ville natale. Un instant. Sorry, I need a... Hallelujah, 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 hallelujah. Now it's fine. Hallelujah, hallelujah. C'est-à-dire dans la Bible, Dieu a fait... C'est révélé à Abraham. Abraham, il était quelque part avant. Abraham ne connaissait pas Dieu. Before Abraham did not know God.
Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham did not know God. Mais Dieu s'est révélé en lui. But God revealed Dieu s'est révélé à Abraham. God revealed himself et to Dieu lui avait dit de quitter sa ville natale. Et son mother. D'aller dans le pays, je te montrerai. Dieu a dit, dans le pays, je te montrerai. God said in the country that I will show. Et la Bible nous dit, Abraham a quitté sa ville natale. Abraham a quitté sa ville natale. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, si tu as eu au si tu as Where you live in. Things are working well. Where you were born. Let me just give an example. Et nous, nous sommes quelque part, peut-être au Kola, peut-être dans un village, peut-être. Maybe you grew in a village. Peut-être pour vivre des circonstances ambiantes. In a developed country because of the circumstances. Mais peut-être ici qu'il y a au Kola. But maybe where au you were born. Kola. Your father, your mother. Ça dit pas tu mieux ici qu'à Wana. People know you there. Et vivre ça bien. And the life is good. Vous avez l'avantage de lots of advantages there. Et c'est difficile de quitter ces lieux. And it's very difficult to leave. Nous nous quittons parce qu'il y a les circonstances. We leave because of the circumstances. Mais Abraham vivait dans les lieux avec ses frères. Il était béni. But Abraham lived with his mais brothers. Mais Dieu s'est révélé en lui pour vous dire quitte sa ville natale. But God revealed himself to say it to ta patrie. Va dans le pays, je te montrerai. Go to a country and I will show you. As we are here in you are good in the Cardiff. You are well God bless you. You have a job. You have a good house. You have everything. You then you have your good job. And that and God said to you, no, leave Cardiff. C'était difficile pour lui. It was very difficult for him. Alléluia. Mais Dieu, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham did not know parce que c'est la première fois que Dieu s'est révélé en lui. Was the first time God pour vous dire, quitte himself. Ta ville natale. Said, leave your home quitte town. Là où tu es. Leave where you are. Va dans le pays, je te montrerai. Go to a country and I will show you. Et c'était difficile pour lui. And it was very difficult. Abraham a parlé à ses amis. Abraham a parlé à ses parents. He talked to his parents. Mais c'était difficile, mais il a pris la décision de quitter ses lieux. It was very difficult, but he took a decision. Il a obéi à la voix de Dieu. Et à ce temps-là, Abraham, il était à l'âge de 75 ans. Abraham was 75. À 75 ans, 75. Dieu s'est révélé en lui God revealed pour vous dire quitter ta ville natale. C'était difficile. It was very difficult. Mais Abraham, Abraham, il voulait accomplir la volonté de Dieu. He wanted to accomplish il voulait the obéir will of God. À la voix de son he Dieu. To obey parce to que c'est la première fois que Dieu s'est révélé because en lui. It was the first time the Lord et Abraham, himself. Il a quitté sa ville natale. And he left his home avec sa femme Sarah, with his wife Sarah et son fils, plutôt son neveu Lot. Et là, toucher le cœur de Dieu. Et Abraham en lui, il vivait avec Sarah. Et lui, Abraham, à l'âge de 70, plutôt 70 ans, 75 ans, Azara qui t'en a moins naté. Bah, tu m'as évacué dans le quartier, papa, on a Azara. Ah, papa, on a. Oh, that father. Papa, he does not have any. Mais Abraham, il avait aussi des serviteurs. But he also had servants. Et la Bible nous parle, il avait aussi un serviteur. Son nom était Eliezer. His name was Eliezer. Mais Abraham manquait un fils. But Abraham mais quand Dieu s'est révélé en lui, Dieu lui avait donné encore une promesse. Dieu lui avait dit, tu auras un enfant. So you will have a child. Tu auras un enfant. You will have a ne t'inquiète pas. Don't worry. Tu auras un enfant. You will have mais ce qui était très important pour Abraham, d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu, de quitter sa ville natale. Et Abraham, il est parti quelque part. Abraham went somewhere. Et à partir de cet acte, and from that act, et Dieu était touché. God was touched. Et la Bible nous parle, Dieu avait béni Abraham. That he blessed si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse 24, verset 1, Bible, et quelque part la Bible nous dit, Genèse 24, verset 1, la Bible Genesis nous dit, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. The Lord blessed Abraham in everything. Pourquoi? Parce que Abraham avait écouté la voix de Dieu. Why? Because Abraham et il avait obéi à la voix de Dieu. He obeyed to the voice et la, of the Lord. La bénédiction de Dieu était progressive pour lui. The Lord was et Dieu lui avait béni. And God had blessed quand him. La Bible nous dit, il était béni en toutes choses. Il manquait rien. The Bible says he lacked nothing. He was blessed mais il manquait un fils. But he lacked a child. Mais Dieu a dit, but
But God says, je te donnerai un fils. I will give you a son. Et ça a pris du temps. And it took time. Mais la promesse de Dieu. But the promise of the Lord. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit. And the Bible says. La Bible nous parle. The Bible told. Dieu lui avait donné la promesse. God gave him a promise. Et Abraham, avait obéi. Obeyed. Il avait quitté sa ville. He left his hometown. Et la Bible nous dit, nous aussi nous sommes des enfants d'Abraham. Et je pense à chacun de nous que comme nous sommes ici, il y a aussi d'autres choses qui étaient pour nous. Notre ville natale. Il y a d'autres choses qui étaient pour toi, ta ville natale. Mais à cause de Dieu, à cause de la voix de Dieu, et tu as laissé cela. Tu es comme Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Et il y a aussi d'autres choses que tu as arrivé à abandonner cela. D'autres choses dans ta vie, au commun à niveau à côté, à cause de Yahvé. La Bible nous dit. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de marcher selon la foi. Ma sœur, mon frère, Abraham avait la foi. Abraham had faith. La foi, the faith, c'est très important. Ma sœur, mon frère, dans la Bible, et c'est tant que Abraham avait laissé tout à cause de Dieu, et c'était sa foi. C'était sa foi. Ma sœur, mon frère, sans la foi, comment se bénissant dans ma tête. Ce que le Seigneur nous demande à nous, what the Lord is asking of us, d'avoir la foi. To have faith. You need to have a faith in your life. Abraham azala qui n'a faith. Abraham had faith. Abraham dans sa vie, il avait la foi. Et Dieu lui avait béni. And God has blessed. Comme je vous ai dit. Like I said. Genesis. 24, 21, verset 1. L'Éternel lui avait béni en toutes choses. Si vous lisez Genèse 13, en descendant, la Bible nous dit, Abraham avait de l'or, avait d'argent. Abraham avait de l'or, d'argent. Et des serviteurs, des servantes. Et la Bible nous dit, dans la maison d'Abraham, Abraham avait 317 ans. Plus de 317 serviteurs et servantes. Non, 317 serviteurs. Parce que quand Abraham est parti pour libérer son neveu Lot, il avait pris 317 serviteurs. Dans la moudaise, on a 317 serviteurs. Oh, ma kena bitumba. Comment combien de gens bâtis qu'à la guinée d'un coup? Pour qu'à la guinée d'un serviteur, pas servante. A vu 317 serviteurs, bah, qui tomba. Mais c'est-à-dire, Abraham, dans sa maison, il avait plus de 500 personnes. Et regardez dans la maison de 500 personnes comment on prépare la nourriture. Mais ça s'appelle une fête, hein? It's like a feast. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'Abraham avait écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui avait béni. Abraham, lui, il avait la foi. C'est pour cela que le Seigneur lui avait béni. C'est pour cela. Même la bénédiction de l'enfant a eu du temps. A eu du temps. Mais la promesse de Dieu est fidèle. Dieu avait béni Abraham. God blessed Regardez, Abraham. Le Seigneur lui avait appelé à l'âge de 75 ans. The Lord called him at the age mais of 70 quand Abraham arrivait à l'âge de 100 ans, and when Abraham was 100, Dieu avait fait accomplir la promesse God de l'enfant. Dieu lui avait promise. Donné l'enfant. God gave him a child. Et Abraham aussi, il avait aussi d'autres enfants. And Abraham also had other kids. Et Abraham, il a, parce que sa femme, Sarah, mon ami, vous m'avez dit, ah, j'ai réussi à l'obéir. Va avec ta servante. Go with your servants. Et Abraham, il était à l'âge de 60, and plutôt Abraham 86 ans. Was 96. Mais Abraham avait eu Ismaël. Abraham had Ishmael. Dieu lui avait dit, non, ça ce n'est pas l'enfant de la promesse. This is not the child. Moi j'ai un enfant de la promesse pour toi. I have a child of promise. Attends le temps de Dieu. Wait for the time. Attends of God. Le temps où je vais te donner mon fils. Wait for the time where we'll et quand give Abraham you fit à l'âge de 100 ans, Dieu lui avait donné Isaac. God gave him Isaac. Et à ce temps-là, Sarah, elle était à l'âge de 90 ans. And at that time, Sarah est-ce qu'à 90 ans, une femme? So at the age of 90, Sarah, elle avait déjà passé la ménopause. Sarah already passed the menopause. Ménopause, elle était déjà passée. He
past the menopause. Mais les choses de Dieu sont différentes. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner sur la parole. Comment on peut expliquer la femme qui est à l'âge de 90 ans d'avoir un enfant? L'homme sans ans, peut-être, l'homme sans ans, peut-être. Mais l'homme aussi à l'âge de 100 ans, ma question c'est ça sous terre. Mais la femme qui était à l'âge de 90 ans, parce que la ménopause ça commence à l'âge de 45 ans, 50 ans, 55 ans. Ça commence à 45 ans, ménopause, ça commence. Mais regardez, Sarah à l'âge de 90 ans, c'est aujourd'hui. C'est pour cela que j'aime aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner sur la foi d'Abraham. Comment on peut expliquer si on prend un médecin pour nous expliquer que Sarah à l'âge de, à cet âge-là aura un fils? Bah, mais ça difficile. Non, it's wrong. It's wrong with God. It's wrong. But the people who have faith. But the people everything are is possible. Everything is possible. Amen. Hallelujah. Sarah, elle était à l'âge de 90 ans. Sarah was 90. Abraham, à l'âge de 100 ans. Abraham was 100. Mais Dieu lui avait donné le fils. But God gave him. Parce que Dieu, quand Dieu regardait Abraham, when God looked at Abraham, Abraham, en lui, il avait la foi. Abraham in him had faith. La foi d'Abraham. The faith of Abraham. Ma sœur, mon frère. My brother, my toi aussi, tu es Isaac. You are also Isaac. Tu es Isaac. You are also tu es le fils d'Abraham. You are the son of Abraham. Et comme tu es le fils d'Abraham, notre père avait la foi. Our father had faith. Et la Bible nous dit tel père, tel fils. And the Bible says, like father, like tel son. Père, tel like father. C'est-à-dire, si notre père Abraham avait la foi, que ma fille, tu veux personne à la vie, il faut avoir la foi. Si tu veux être béni, you need to have a faith. If you need to do the good things in your life, you need to have a faith. Brothers, sisters, let me tell you, it's today, one thing God is saying to you, you need to have faith. Si il y a quelque chose que le Seigneur te demande aujourd'hui, d'avoir la foi, quel que soit le combat que tu vois dans ta vie, quel que soit les troubles que tu vois dans ta vie, quel que soit les difficultés que tu passes dans ta vie, mais laissez-moi de te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a passé à cet stade-là. C'est notre père Abraham. Toi aussi tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. La Bible nous dit, ceux qui sont en Jésus, ils sont aussi les fils d'Abraham. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Je crois à Jésus-Christ. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Oui, je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Ce que le Seigneur te parle aujourd'hui, il faut marcher sur la foi de ton père. Il faut te développer en toi la foi de ton père Abraham. Parce que si tu veux percer, il faut avoir la foi. Si tu veux être heureux, il faut avoir la foi. Si tu veux, alléluia, aller en avant, il faut avoir la foi. Ma sœur, mon frère, ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas tes difficultés, mais regardez ton Dieu. Tout est possible à Dieu. Abraham, lui qui était notre père, à l'âge de 90 ans, le Seigneur lui avait béni. La promesse de Dieu est réalisée dans la vie d'Abraham. Ma sœur, moi je te dis, Dieu ne te dit, ta vie aujourd'hui, ça ne sera pas ta vie de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, parce que tu es l'enfant, tu es le fils d'Abraham. Ayons la foi en toi. Je cherche les gens qui ont la foi. Si tu demandais, il faut développer en toi la foi. La foi, brothers, sisters, let me tell you, you need to have a faith for your life, for your family, for everything. You need faith. You need faith. Say to your neighbor, you must have faith. Say to your neighbor, you need faith. Say to your neighbor, you must have faith. You need faith. No worry. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas le problème d'immigration. Ne regardez pas ce que le médecin dit. Ne regardez pas ce que l'avocat dit.
regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas ce que les experts disent. Mais regardez ce que Dieu dit. Si Abraham avait regardé ce que les gens disaient, si Abraham avait regardé ce que le monde disait, mais ça m'a fait. Abraham avait regardé Dieu et Dieu lui avait béni. Et moi aussi, je suis le fils, je suis la fille. Oh, je vais marcher. I can walk. Amen. Abraham had faith. Tu ne mourras pas. You will not die. Si tu as la foi, if you have faith, tu iras en avant. Si tu as la foi, if you have faith, tu seras élevé. You will si tu as la foi, if you tu seras béni. Si tu as la foi, if you have need to have faith. You need to have faith. Abraham avait la foi. Abraham et Abraham ne regardait pas les circonstances. Parce que si Abraham regardait les circonstances, he was looking at circumstances. Avec le docteur, Abraham is too late. Abraham is too late. Your wife, 90, is it too late? But Abraham, Abraham, tu peux manquer la foi, mais tu peux aussi avoir la foi. Parce que la Bible nous dit la foi vient. The Bible says to live by faith. La foi. The faith.
La foi est parmi les signes qui sont dans la vie. Faith is amongst the signs that shows the Christ. Those who have faith see things differently. Amen. Those who have faith. Atalaka ba circonstance ya ba problème de. Does not look at atalaka ba circonstance ya ba combat. Does not look at the circumstance. Quelque part celui qui a la foi, il est comme on dit souvent, il est optimiste. Optimiste. Un optimiste, il voit la facilité là où il y a la difficulté. Vous comprenez dans le bien. Hein? Il y a d'autres gens qui sont des pessimistes. There's some people are pessimistic. Un pessimiste, il voit des difficultés même là où il y a des facilités. Where is best easiness? So as it's here, you can even take your British, you are British, you can go to the United States. You can go to the United States. You can go to the United States. Because the pessimistic. Pessimiste, pas ça bon. C'est-à-dire, quand tu vois dans ta vie, tu parles que de négativité, de négativité. Même là où il y a des facilités, tu es pessimiste. You are pessimistic. Mais le Seigneur veut que nous devenions des optimistes. But the Lord wants us to become optimistic. Un optimiste, c'est celui qui voit la facilité dans. C'est-à-dire, si tu as des difficultés, tu vois la facilité. Tu vois que même si j'ai des problèmes aujourd'hui, mais je sortirai. Même si je manque de papier, mais le Seigneur me donnera. Même si je manque de mari, le Seigneur me donnera le mari. Même si je manque de femme, le Seigneur me donnera une femme. Mon mari ne mourra pas, le Seigneur me fera sortir parce que je suis optimiste. Optimiste. Le Seigneur demande à son peuple d'être optimiste. The Lord is asking his people to dis be à ta sœur, dis à ton frère, sois say optimiste. To your sister, be optimistic. Sois optimiste. Be optimistic. Come on. Be optimistic. Dis maintenant, ne soyez pas pessimiste. Do not be pessimistic. Ne soyez pas pessimiste. Do not be pessimistic. Regardez celui. Do not be pessimistic. Maintenant, on va faire. Now we will do. Dis maintenant. Now say, dis à quelqu'un. Dis en face de toi. Pour ma vie. For my life, ne soyez pas pessimiste. Do not be pessimistic. For my life. Do not be pessimistic. Come on. Because of some people, I'm going to do something. I'm going to do something. Et maintenant, nous allons dire pour l'église. Qui va dire à celui qui est à côté de toi. Pour cette église, ne soyez pas pessimiste. For this church, do not be. Est-ce que vous pensez que le Seigneur pour cette église, le Seigneur peut faire de grandes choses? La croissance de l'église, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'Éternel. Des miracles, des choses extraordinaires, des dons spirituels, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'Éternel. Mais ce que le Seigneur demande à nous, il faut toujours avoir l'aide. Pour ta vie, il faut voir la foi. For your life, you must have faith. Aïe, 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 aïe. Ah! Espérer à son Dieu. Et son Dieu lui avait béni. L'Éternel avait béni Abraham. The Lord blessed Abraham. Les promesses de Dieu. The promise of
était réalisé dans sa vie. Parce qu'Abraham avait la foi. Et aujourd'hui, nous appelons Abraham le notre père de la foi. Le père de la foi. Et la Bible nous dit, nous aussi nous sommes les enfants d'Abraham. Et non pour ça, la foi pour ses enfants. Un enfant d'Abraham, il a la foi pour son mariage. Un enfant d'Abraham, il a la foi pour ses enfants. Un enfant d'Abraham, il a la foi pour ses projets. Ayons la foi. Et la foi, ça nous permet d'avancer. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Si vous avez, nous allons lire, mais si vous avez d'autres versions de la Bible, j'aimerais que tu nous dises, et parce que j'ai sélectionné beaucoup de versions de la Bible qui parlent de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais ce qu'on a version moussousou, où est-ce différent? Voici tant au port, n'a toujours qu'à n'aiguë version à lui l'obéir. So I want to hear what the verse says. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La définition de la foi, ça se trouve dans les livres de Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit, nous lisons, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. It's assurance. Il y a une autre version. Tu peux lire. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Ah, thank you. L'attention de choses qu'on ne voit pas. Come on, read again. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Hein? L'attention de choses qu'on ne voit pas. Thank you. Or la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. C'est-à-dire. The things we hope for. J'espère à quelque chose. I'm hoping something. J'espère à quelque chose. I'm hoping something. Celui qui a la foi, those who have faith, il voit qu'il a cette chose-là, il espère. Est-ce que vous me saisissez? Celui qui a la foi, those who have faith, j'espère à quelque chose. I'm hoping for something. Mais celui qui a la foi, tu crois que tu y as déjà cela. You believe that you have that. Tu vois? Comme Abraham, Dieu lui avait donné que tu auras un enfant. You will have a child. Dieu lui avait donné, je te bénirai. Pour Abraham, il voyait qu'il est béni. Il faut que vous compreniez. La foi, c'est le présent, mais il espère aux choses. J'ai la foi maintenant que j'ai déjà reçu. C'est lui. Au Congo. Congo, aux églises au Congo, Congo, souvent on disait aux femmes qui avaient des problèmes d'avoir des enfants. Quand on parle de la foi, faith, et tu vas voir les femmes, ils ont allé acheter des choses pour des bébés. Maman, Sombi, Bilamba, Sombi. C'est-à-dire, Azala, nous avons la tête, mais déjà Sombi. C'est-à-dire, pour elle, elle voit, j'ai l'enfant. La foi, c'est le présent. C'est pour cela la Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. Et là-bas, on a dit la foi, c'est la réalité. La réalité des choses qu'on espère. Et dans d'autres versions de la Bible, dans les versions de Tobi, Top, si vous avez la Bible de Top. La Bible de Tob dit, la foi, c'est une manière de posséder déjà des choses qu'on espère. La façon de posséder les choses. La foi, c'est la façon de posséder les choses qu'on espère. C'est-à-dire, je vais donner quelqu'un, comme ma sœur dit, elle est là, pour elle voit maintenant, elle a ses papiers. J'ai mes papiers.
C'est-à-dire pour elle, elle voit, elle a des fatigues, mais physiquement, elle s'est mis à monter. C'est-à-dire, la Bible nous dit que Benoît, la foi, c'est une manière de posséder déjà les choses, hein. Things that we already hope. What are you hoping for? Celui qui a la foi, il a déjà possédé. Il a déjà. Il a déjà. Il a. Comment? Il a. Thank you. Dans d'autres versions de la Bible, on a dit, version, je peux dire, version de colombe. Non, version sémère, je vais vous donner sémère. Sémère et lobby, parce que la Bible, la version est sémère, la foi, c'est une façon de posséder. Non. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Je vous ai donné, hein. Façon de posséder. Mais, version M. Elobi, c'est une manière de posséder. Ah, manière, non façon. Manière de posséder, façon de posséder. Déjà les choses que tu espères. Things that you already hope for. Espérer. Alléluia. Et dans d'autres versions, on a dit, je pense, parole vivante, c'est une ferme confiance de la réalisation de ce qu'on espère. Ça, c'est parole vivante. La parole vivante dit que la foi, c'est une ferme confiance de la réalisation de ce qu'on espère. Jérusalem. Pato basa la Bible à Jérusalem. Jérusalem balobi ndengeni. Yorande Jérusalem balobi. Jérusalem balobi, la foi, c'est la garantie des biens qu'on espère. La garantie. En Afrique, so comme on inda coupe sa garantie. In Africa, you have better than the garantie. Give a guarantee. Maybe so go get a generator. Souvent je pars en générateur à acheter des choses pour envoyer des dons en Afrique. Mais si j'ai la garantie, je donne quelque chose. Si je vois peut-être un appareil là, keyboard, ou bien keyboard, je donne peut-être 20 livres. Deposit, deposit. L'Afrique va bien, on garantie. Garantie déjà. C'est-à-dire, comme tu as déjà donné la garantie, même si un générateur va payer ça 3 mois, 3 mois, is for you. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il a maintenant la garantie. C'est-à-dire, nous devons être déjà dans le monde, et comme il m'a garanti pour vous. Ou comme il a garanti à vos yeux, l'eau déjà y en est. Tout le monde comme ta femme, est-ce que vous avez la foi? You have la foi. Do you have faith? Na makamwe sa liboso na yozana. The things that you are in front of you, do you have faith? Pourquoi l'embi? Why are you? Pourquoi l'embi na prière? Why are you? Pourquoi l'embi na vie? Why are you? Nous nous mettons la question. Why are you? L'embi l'embi na yo. Pour makamwe zo simba te. Makamwe zo kende liboso te. Nikole komi na kola enfer pour na yo. It's like hell. Ozo nous zamba tiki yo. Men zamba zo lo bana yo le yo. Zala na kondima. Have faith. Vous savez, dans la vie, j'étais à l'âge de 75 ans. 75 ans jusqu'à 86. Abraham n'écoutait pas la voix de Dieu. Abraham n'a pas dit que la été. Parce que quand on a l'obé, il est civil. A vivre, c'est quoi? C'est comment il a eu la confusion. A tout, il va les sous-souter. Mais en lui, il avait la foi. Ça rendait à l'imba qui sera que l'on va faire la servante. Mais Isaac n'a pas canissé Abraham. Abraham était avec le bout d'Ismaël. Croyez maintenant, ça c'est mon fils. That le fils de la promesse. Le Seigneur s'est révélé encore. Pour dire à Abraham, ce n'est pas le fils de la promesse. Not the son attends, of the je te bénirai. Je te donnerai un fils.
jusqu'à ce que Abraham arriva à l'âge de 100 ans. Oh Dieu merveillé. Est-ce que vous pensez, vous savez aussi, Dieu lui avait béni encore Abraham, il avait donné encore Abraham d'autres fils. Parce que Sarah a koufa qui? Et Abraham a dit qu'on va la Keturah. Keturah, c'est la deuxième femme d'Abraham. Et Keturah, après ça, Abraham n'a pas plus de 5 lissous. Mais na kati Abraham déjà, papa a bon tagate. Le Seigneur veut que tu développes en toi la foi. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la visitation divine, ayons la foi. La foi, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est la garantie. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. La foi, c'est manière de posséder les choses qu'on espère. La foi, c'est façon de posséder les choses qu'on espère. Nana ba définition béré à Gondima. I have a lot of definitions here. Mais on nous a besoin de banayo. La foi, c'est espérer. Au monde, c'est-à-dire qu'on voit ma camboyo. Parce que la foi, c'est le présent. La foi, ils ont un futur éternel. Histoire à Joseph. Joseph, pourquoi les frères de Joseph combattaient Joseph? Parce que Joseph, il était comme... Je vous ai dit, Joseph, il était optimiste. Il disait des bonnes choses pour sa vie. Ah, moi, je serai béni. Moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Moi, je vais dominer. Moi, je vais... Et c'est pour cela que la Bible dit que le frère de Joseph haïssait Joseph à cause de ses paroles et à cause de ses rêves. Parce que Joseph, en lui, il avait des rêves. Et il parlait de son rêve. Parlait de ton rêve. Celui qui a la foi, il déclare des choses pour sa vie. I left some people in this world. You will leave people. Les enfants d'Abraham, the children of Abraham had faith. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner huit vérités à ce qui concerne la foi. Huit vérités à ce qui concerne la foi. Première vérité. The first truth. La foi. Faith. Trouve toujours son origine dans la parole de Dieu. Elle est toujours attachée, elle est toujours directement liée à elle. C'est-à-dire, premier point dans l'obéissance, la foi trouve toujours son origine dans la parole de Dieu. Et elle est toujours directement liée à elle. And it's also linked. C'est-à-dire la foi. It means faith. La foi est toujours liée à la parole. La foi, son origine, ça se trouve dans la parole de Dieu. Is in the word of God. Celui qui dit qu'il a la foi, they have faith, il est proche à la parole de Dieu. Close to the word of God. Celui qui dit qu'il a la foi, they have faith, il parle ce que la parole de Dieu dit. Parce que je vous ai dit que la foi. Et toujours, son origine est dans la parole. C'est-à-dire, celui qui parle de la parole de Dieu pour sa vie, automatiquement il a la foi. Parce que l'origine de la foi, ça se trouve dans la parole. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour avoir la foi,
faith. Il faut écouter la parole de Dieu. La personne qui écoute la parole de Dieu, il va développer en lui la foi. Parce que l'origine de la foi est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit la foi vient. La foi vient. La foi vient de la parole. Parce que la parole au dedans d'eux est la foi. Alléluia. Amen. Bon. Parce que docteur dit qu'il y a un dossier dans le cas, vous êtes fini. Avocat, le billon a dossier dans le cas. Celui qui a la foi, il va maintenant se référer dans la parole. Et au moment où tu te réfères dans la parole de Dieu, maintenant tu confesses ce que la parole de Dieu dit automatiquement, tu as la foi. Parce que l'origine de la foi est dans la parole. La foi vient. C'est-à-dire, ce qu'on a dit matin, ça peut aussi se développer en écoutant la parole. La foi. Faith. Celui qui a la foi. Those who have faith. À mon regard, différemment. Sees different. Et c'est pour cela, Abraham, en That's lui, quand le Seigneur lui avait parlé, when the Lord talked, Abraham croyait. Abraham believed. Croyait à ce que l'Éternel lui avait parlé. Mais tandis said, que son corps refusait, refused, il était à l'âge de 100 ans, sa femme à l'âge de 90 ans, c'était difficile. Mais Abraham croyait à la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu est le source de la foi. Regardez tes circonstances dans la parole de Dieu. In the word of God. Quand il regarde les circonstances à when travers le monde, l'expérience world, de ce monde, ça va te bloquer quelque part. Abraham avait la foi parce que il croyait aux promesses divines. Abraham had faith because he believed in the promise of God. La foi est basée sur la parole de Dieu. La liloba na tala, c'est-à-dire mutu aza na kondima. Those who believe. Ache yango na liloba. Okoko zape na kondima te. Metango zoyoka ka liloba na za. Yango nde mimaka kondima. Parce que malobi la foi vient. Because it says faith. That's what I was saying. Ce que je parlais. What I was talking about. It's blocking. But now, il faut commencer à, au moment où j'écoute la parole. But de the Dieu, moment when I'm listening to il the faut word parler of God, la parole. We have to talk. Et about au fur et à mesure, tu parles de la parole de Dieu. The word of God, tu déclares ce que la parole de Dieu dit. What the word of the Lord is saying. Je suis guéri, je suis guéri. Par tes maîtrisés que je suis. C'est-à-dire, tu déclares. Ne regardez pas les circonstances. Nous ne sommes pas ici pour regarder nos circonstances, mais nous sommes ici pour déclarer ce que Dieu nous dit de déclarer. Alléluia. On peut être bloqué si nous parlons selon la réalité des choses. Mais on peut être monté, percé, si nous déclarons des choses que le Seigneur nous dit de déclarer. Les enfants d'Israël devant la mer rouge. Israël craignait. Mais Moïse en lui, il avait la foi. Devant la mer rouge. Derrière Pharaon avec son armée. Mais Moïse, il disait aux enfants d'Israël, ne craignez point, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Abraham en lui, il avait la foi. Plutôt Moïse en lui, il avait la foi. Moïse ne regardait pas la mer rouge qui était une barrière devant lui. Moïse ne regardait pas l'armée de Pharaon qui était derrière. Moïse en lui, il avait la foi. Et quand vous lisez l'histoire, c'est dans l'Exode 14, hein. Si vous descendez 13, 14, 15, si vous êtes arrivé à 15, Dieu disait aux enfants d'Israël, devant la mer rouge, mais Dieu disait aux enfants d'Israël de marcher. Devant une barrière, mais l'Éternel parlait aux enfants d'Israël de marcher. Comment on peut marcher devant une barrière? La mer rouge qui était devant, mais l'Éternel dit de marcher. Et on peut lire. Exode. Exode. 14. On peut même commencer dans le verset 13. You can even start 13.
Les passages qui viennent dans la mémoire. Il passage qui vient dans mon mémoire, mais on peut lire. What does it say? Exode. Exode 14. 13. Tu commences à 13. 14, 13. 14, 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel va vous accorder en l'ennemi, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse. C'est ça? Ouais. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'il marche. Parle aux enfants d'Israël de faire quoi? De marcher. Mais devant eux, il y avait la mer rouge. Comment on peut marcher? Tandis que devant eux, c'était la mer rouge. Notre façon de regarder les choses, c'est différent à ce que Dieu regarde. Devant les circonstances, les difficultés, l'Éternel te dit de marcher. Aïe, 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 aïe. Someone who has faith. If you find the problem in your life, God is saying to you to walk. How you can walk before front to you is a block? Hein? Pour ceux d'ailleurs, c'est un blocage. Comment tu peux marcher tandis que devant toi il y a un blocage? C'est-à-dire l'Éternel voulait dire aux enfants d'Israël, ne regardez pas le niveau des problèmes, ne regardez pas le niveau des difficultés, mais vous regardez la grandeur de votre Dieu devant les circonstances, devant les attaques, devant les circonstances difficiles. Regardez ton Dieu et marchez. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas abattus, ne pleurez pas. L'Éternel veut que tu marches, même si aujourd'hui tu manques le travail. Dieu te dit de marcher, être toujours joyeux, même si le mari t'a quitté. Soyez toujours joyeuse, même si tu as des problèmes dans ton mariage. L'Éternel te dit marcher, sois toujours joyeux. Ne regardez pas les circonstances. Les Égyptiens que tu vois, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que tu vois, des difficultés que tu vois, des combats que tu vois, des blocages que tu vois, des rejets que tu vois, des troubles que tu vois, des maladies que tu vois. L'Éternel te dit aujourd'hui, il y aura un temps. Vous ne le verrez plus jamais. But for you, you must walk. But for you, you must walk. For you, you must walk. For you, nobody can stop you. Nobody can stop me. Brothers, you can stop me. Aïe, 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 aïe. Nobody can stop me. Because I have a faith. The people can believe in me, but I can walk. The people can say bad things about me, but I can walk. I don't care what the people say about me. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est ce que l'Éternel me dit de faire. C'est ce que l'Éternel me dit de faire. Je ne regarde pas ce que les gens disent. Je ne regarde pas ce que le monde dit. Je ne regarde pas. Les gens peuvent me quitter. Les gens peuvent m'abandonner. Mais c'est très important de m'accrocher à mon Dieu. D'avoir la foi. Et si j'ai la foi, comme Joseph avait la foi, ses frères, ils ont vendu Joseph. Mais Joseph, lui, il avait la foi. Dieu lui avait restauré. Et les gens qui avaient vendu Joseph, ils ont venu se procéder devant de Joseph. Les gens qui me critiquent aujourd'hui, je vais vous dire, après 5 ans, après 10 ans, ces gens-là seront ici. Ils seront des adorateurs. Ils seront ici. Ils seront des choristes. Ils seront ici. Ils seront des diacres. Laissez-les les critiquer. Laissez-les les parler. Au moment où ils parlent, mais Dieu me bénit. Au moment où ils critiquent, Dieu me lève. Au moment où ils chantent, ils disent n'importe quoi. Mais moi, je me genoux à mon Dieu. Je pleure à mon Dieu.
Celui qui a la foi, il va marcher. Amen.
Alléluia. Ça, c'est la première vérité à savoir. Deuxième vérité. La foi est la condition unique qui permet à toute personne de s'approcher de Dieu et de lui pleurer. La foi est l'unique condition qui permet à des personnes de s'approcher de Dieu et de lui plaire. C'est-à-dire, foi, les Akakanzela, oui, il m'a dit, ils ont permis de faire ça. Donc, on n'a pas un Zambé. Peut-on se faire ça y est. Vous avez dit, oui. Foi est le seul way. It's one way it can bring us nearer to God. Et ça nous permet aussi de pleurer à Dieu. On peut lire. Et moi, Galates chapitre 3, verset 11. Non, c'est sorry. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Thank you. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. C'est-à-dire, sans la foi, il est impossible de lui être. Car il s'approche de Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes ici, quelque part, nous sommes approchés de Dieu dans la prière. Il faut que tu crois. C'est-à-dire, celui qui s'approche de Dieu, crois. Crois, c'est la foi. C'est-à-dire, la foi nous permet de s'approcher de Dieu. Et la foi nous permet de pleurer à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Si vous manquez la foi, tu peux aussi développer cela aujourd'hui. Parce que la foi est le seul moyen qui nous permet d'approcher de Dieu. Which allows us to approach close to God. And also pleasing. On a dit dans le bien. What is la deuxième vérité? That's the second truth. Troisième vérité. The third truth. Dans l'expérience spirituelle, la foi vient à, plutôt, la vie vient après la foi et non pas avant. La pandémie. Dans l'expérience spirituelle, la vie, via Komona, vient après la foi et non pas avant. C'est-à-dire, vous devez en condima. Those who believe. Amona kana nute. Does not see yet. Andimi. But believes. Vous comprenez la lobby, hein? Amen. Y'a un moment où Jésus a parlé la quitte au temps, on peut lire. We can read it. Jean chapitre 20. John 20. La ressource en a 4 points, d'autres points, parce qu'il y a 8 points. Je vais arrêter à 4 et l'autre. On peut développer le vendredi qui vient. Plutôt le dimanche qui vient. Jean 20, verset 24. Yoka disciple à Jésus. Thomas. Jean 20, 24. Thomas appelé Didymus, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je mets ma main dans son côte, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Le pont, enfin fermé, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici. » ton doigt et regarde dans mon corps et ne sois pas incrédule, mais crois.
Continue. Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Ah, heureux ceux qui n'ont pas vu et heureux ceux qui n'ont pas vu. Thomas voulait voir. Il y a d'autres gens, ils sont comme des Thomas. Ceux qui n'ont monité la monimité. Ceux qui n'ont monité la monimité. Non, non. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette attitude. Avant de croire, non, j'ai besoin de voir, non. Ici, tu vois, quand Jésus fit avec ses disciples, parce qu'après la mort de Jésus, Jésus s'est révélé à ses disciples. La Bible nous dit Thomas à la Guanate. Thomas me dit à que Jésus a dit à qui la Guiso. Thomas a poudé à l'hôpital. Jésus a dit Jésus a dit, Thomas, ne soyez pas incrédule, quoi? Ne soyez pas incrédule. Don't be doubtful. Dis à ta sœur, ne soyez pas incrédule. Say to your sister, don't be doubtful. Ne soyez pas incrédule, quoi? Don't be doubtful, believe. Et le Seigneur lui a dit, mais, comme tu as dit, tu as besoin de mettre ta main dans les doigts, mais. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, et mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, parce que tu as vu, mais erré, ceux qui n'ont pas vu, et. C'est-à-dire ici, la Bible nous parle de croire d'abord. Quoi d'abord? Et après first, tu vas voir la réalisation de ces choses que tu crois. Et même la Bible nous dit, hein, on peut lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 John 5, 14. Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté, il nous écoute. Hein? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Si nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons. C'est-à-dire, la chose que tu as demandé à Dieu, la Bible nous demande que nous soyons dans cette attitude-là que tu as déjà possédé. Donc dans la définition de la foi, on a dit que la foi, c'est la façon de posséder la chose que tu espères. Mais maintenant ici, si tu demandes, nous avons mis dans l'attitude que je m'en ai que dans la vie. Ici, je parle de la foi. La foi, c'est comme ça. Faith is like that. Ceux qui ont la foi, those who have faith, bah, mon idée, they have not et Abraham, Dieu lui avait parlé et Abraham avait cru. God has believed and he et après, Dieu, Abraham a vu la main de Dieu. And after that, Abraham saw the ne soyez God. Pas comme Thomas. Do not be like Thomas. Thomas, il y a une anamona, rappelle-la. Pendant qu'il m'a pendu, Zambaza, il faut pendre. La foi, selon les Écritures, c'est une attitude du cœur et non de. Non de l'intelligence. Ce sont des points très importants. C'est-à-dire, celui qui a la foi,
Ce sont des choses du cœur, non de l'intelligence. Parce qu'avec l'intelligence, on va comprendre. Tu n'arriveras pas à comprendre avec l'intelligence. Parce que comment on peut dire que Sarah, elle était à l'âge de 90 ans? Avec l'intelligence, c'est difficile. Mais Sarah et Abraham, ils ont eu la foi. Des choses qui étaient difficiles. Mais avec la foi, Dieu avait béni Abraham. C'est-à-dire, la foi, c'est des choses du cœur. Demandez dans mon thème. Believe in your heart first. It's not the intelligence. Comment on peut dire Jésus Christ? How can you say Jesus Christ? Quand l'Éternel avait l'ange se révéla à Marie pour dire que tu auras un fils. Marie, elle avait dit comment moi, je suis vierge. He said, I am a virgin. L'ange lui avait dit l'ombre de l'Éternel viendra sur toi. Et tu auras un fils. Comment on peut parler avec l'intelligence? L'ombre seulement te donne l'enfant. C'est des choses difficiles à expliquer. Avec l'intelligence, avec la science, c'est difficile. Alléluia! Mais c'est pour cela qu'on a dit la foi, ce sont des choses du cœur. That's why we said faith is the thing. Nandimi nama. Nabo nanga na bato ko comment je vais recevoir l'argent, comment je vais faire comme ça, comment pour moi je crois que Dieu va me bénir. Comment on peut expliquer que l'Éternel avait parlé à Joseph que tu seras premier ministre et how can we explain the angel said to Joseph he'd be the first. Et comment ça va se réaliser? And how would it Joseph, je pense, il était si c'est dixième, je ne sais pas, peut-être onzième, neuvième. Mais l'Éternel a parlé à Joseph, tu seras quelque part gouverneur. C'était des choses difficiles avec l'intelligence. Mais c'était une promesse. Et Dieu avait accompli cela. C'est-à-dire, ceux qui ont la foi, les gens qui ont la foi et les calculent avec leur cœur. Ça, ce sont des choses du cœur. Je crois. Nandimi. Nandimi. Ce que je veux dire, c'est que nous devons être et ça, là, on passe au comprendre le péché. Pour Marie, à Botagayesu, est-ce que vous pensez, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait dans ce domaine de plusieurs médecins. Mais comment on peut dire, au moment où cette femme-là, elle avait eu la décision seulement de toucher le vêtement. Le vêtement de Jésus avait guéri la femme. Avec l'intelligence, c'est difficile. Mais avec le cœur, c'est possible. C'est pour cela que je vous ai dit que la foi, ce sont des choses de cœur, non pas des choses de l'intelligence. Comment on peut expliquer Jésus trois jours? Hier, ça vous est quoi? Et Thomas, quand Thomas parlait, Thomas, parce que Thomas avait vu l'amour de Jésus sur la croix. Thomas avait vu comment on avait percé Jésus sur la croix. Et Thomas, quand on disait à Thomas que Jésus est ressuscité, Thomas boudait parce que Thomas voyait la réalité des choses. Les gens qui ont la foi de Thomas, ils les regardent les circonstances. Thomas boudait et disait que moi je vais voir parce que selon intelligence c'est difficile. Mais avec le cœur c'est possible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres points, je vais développer cela. Le dimanche qui vient. C'est-à-dire, le dimanche qui vient, je vais vous parler. La foi produit un changement positif dans notre comportement et dans notre vie. C'est-à-dire, celui qui a la foi, ça va changer ta façon. Dans un sens positif. In a positive way. Dans tes comportements et ta vie. C'est-à-dire, celui qui a la foi, automatiquement, ça change ta façon. Tes comportements et ta vie. Tu vas commencer à voir des choses dans d'autres façons de voir. You will see things in other ways et nous allons regarder dans d'autres.
autre façon de voir. You will see things in other ways. Et nous allons regarder ça le dimanche qui vient. Mettez-vous debout, nous allons prier. Aïe. Nous sommes les enfants d'Abraham. Je suis enfant d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Aujourd'hui, on nous a parlé sur la foi. Le Seigneur vient nous parler sur la foi. Il faut aussi chacun de nous faire ça avec exercice à condiment. You need to pray about your problem, about your life, about your family. La Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe quand la parole de Dieu sort. Ça sort pour accomplir quelque chose. Bah, le la mboula, so que pété pour ça rabatelé. Ta vie ne sera jamais la même. Kobanga mabete. Kobanga. Nyango oyo.